Salut les amis. Donc aujourd'hui c'est une recette de truffes roses. Donc je vais vous donner bien sûr dans les commentaires, dans la barre d'infos la recette. Elle est toute petite, hein. Vous voyez, c'est tout petit. Donc il vous faut 100 g de beurre mou. Donc là j'attends un peu qu'il soit un peu mou. Du sucre, 80 g de sucre, un jaune d'œuf et un paquet de biscuits de Reims. C'est ces fameux biscuits. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire cuire. Ça va au frigo. Donc, voilà. Donc, on va commencer par mélanger le sucre. On va mettre 80 g. On va mettre sucre, donc 80 g de sucre. Donc on met 80 g de sucre et le beurre. Donc le beurre, on a dit que c'était 100 g. Donc il me faut ma machine. Je ne sais pas où elle est. C'est bien ça. Comment ça se fait-il? Je vous reprends, je vais chercher ma balance. Donc on reprend. J'ai mis le sucre, les 80 g de sucre. Là, j'ai le beurre. Donc 100 g de beurre. Pour l'instant, ça va. Donc, je vais essayer. Oh, punaise. Non, on va rester comme ça. Voilà. Ensuite, il me faut un jaune d'œuf. Donc après le blanc, vous pouvez l'utiliser pour faire des meringues, par exemple. Hop. Et ça, on met ça à la poubelle, sachant que les œufs viennent de mes poules. Alors, ensuite, donc il faut ajouter le jaune d'œuf et il faudra que j'écrase, que je mouline les biscuits. Donc je vais déjà m'occuper de la farine, du sucre, du beurre et du jaune d'œuf. Et on mélange bien. Et pendant que le beurre continue un peu à fondre, je vais simplement faire tout le paquet, mixer et après je remets ça avec le reste. Donc on se revoit après pour la suite. Donc j'ai fini de moudre, de mouliner, d'écraser, de tout ce que vous voulez. Et je voulais vous montrer un petit peu les gâteaux, comment c'était. Voilà. Donc on en met partout, hein. Il y a de la farine, du sucre glace dessus. Donc voilà, là je vais juste faire une pause pour pas vous entendre le bruit. Donc maintenant que ça c'est fait, vous avez cette texture-là. Voilà. Donc j'ai réussi à tout faire. Donc il faut mouliner les biscuits et incorporer au mélange. Donc on va incorporer tout au mélange. Voilà. Donc comme ça, tout est mis dans le saladier. Et là, vous mélangez bien. Tout simplement. Vous mélangez bien avec le beurre. Alors après, vous pouvez le faire après avec la main parce qu'il va falloir faire des boulettes, des petites boules. Donc comme ça, je mélange bien et on se retrouve juste après. Donc je vous reprends. J'ai fini de touiller, donc j'ai fait à la main. Parce qu'il faut vraiment que le beurre soit bien imprégné dans tous les gâteaux mixés, d'accord? Sur les gâteaux de Reims. Donc j'ai sorti des petites cups comme ça, que j'avais achetées chez Action. Il vous faut une assiette avec du sucre en poudre. Et donc, vous prenez
vous prenez de la pâte, donc en espérant que je réussisse à faire des boules, parce qu'en fait, il faut faire une boule. Alors, attendez. Il faut faire des petites boules. Bon, ça a l'air d'être un peu compliqué. Alors, soit j'ai pas assez mélangé. Non, normalement, ça doit... Il faut faire des toutes petites boules. Donc, vous avez une petite boule comme ça. Et après, vous allez le mettre dans le sucre. Ok? Donc, ça vous fait une petite boule comme ça que vous mettez dans la petite cup. Oula! Dans la petite cup. Et vous faites comme ça à chaque fois. Et ensuite, on se voit après pour que je finisse. Je vous montrerai combien j'en ai fait. Donc je vous montre, j'ai pas fini, mais j'en ai fait quand même pas mal, je vais les mettre au frigidaire. Il faut les mettre pendant une heure à peu près, après plus si vous voulez. De toute façon, il faut les laisser au frigo, voilà, dans une boîte si possible. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'en ai encore, hein. J'ai encore de la matière. Et là, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, donc l'assiette qu'elle a, hein, c'est pour les poules. Donc voilà ce que ça donne, et ça vous le mettez au frigo pendant une heure, bon, de toute façon vous le gardez au frigo, comme je vous ai dit, la recette elle sera sur, en dessous de cette vidéo, voilà, en barre d'infos. Donc voilà pour cette petite recette, donc je vous redonne le nom exact, c'est truffe rose, voilà, après vous pouvez mettre n'importe quel sucre, hein, du sucre roux, sucre, voilà, c'est comme vous voulez. Mais franchement, cette recette, elle est hyper facile et vous pouvez même les faire avec vos loulous. Bon, là, pour le coup, moi, les miens sont à l'école. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, mettez des pouces bleus, c'est toujours gratuit. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres, des recettes. Et puis, bah, écoutez, on se voit pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre et à très vite.